Hello, bienvenue sur cette vidéo, je suis Maïka et vous êtes sur la chaîne Guéris ton appétit, guéris ta vie. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un sujet que je trouve extrêmement intéressant. Il y a 2 jours, j'ai donné un cours de méditation pour les compulsions alimentaires et puis on a eu des discussions très intéressantes avec les participantes que je voulais vous partager aujourd'hui, notamment sur les raisons qui feraient que vous n'ayez inconsciemment pas envie de laisser tomber vos compulsions alimentaires. Ça peut paraître absurde et pourtant, il y a forcément une raison pour laquelle vous mangez de cette manière-là. Vous y trouvez un avantage d'une certaine manière, une compensation à quelque chose qui ne va pas à l'intérieur. Et puis des fois, si on n'arrive pas à trouver ce qui fait que ça ne va pas et qu'est-ce qu'on essaie de combler, c'est beaucoup plus difficile de libérer. Il y a vraiment des fois des raisons inconscientes qui sont très puissantes et qui font qu'on n'a pas du tout envie d'abandonner ses comportements. Bien sûr, c'est totalement inconscient et c'est ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. Comme je disais aux filles lors de la méditation pendant le cours, pour moi les compulsions alimentaires c'est beaucoup comme un sac de nœuds, en fait qui se crée à la base par une émotion, un événement, il y a peut-être quelque chose qui a déclenché ça, et puis ensuite ça vient des mauvaises habitudes, des addictions, et puis finalement il y a plein de très bonnes raisons inconscientes comme je vous disais précédemment, qui font qu'on n'a pas envie de lâcher ça. Et puis pour vous donner un exemple de ce qui ferait que par exemple vous n'avez pas envie de lâcher ces compulsions de manière inconsciente, c'est que pensez à la nourriture, manger, faire les courses, tout ce qui est lié à l'alimentation, ça prend une très très grande place dans notre vie, voire même toute la place. Pour ma part, en tout cas pendant des années, ça prenait vraiment une place énorme dans ma vie. Donc du matin au soir, on pense à la nourriture, on va acheter de la nourriture, on pense à notre poids. C'est tout un projet de vie de vouloir perdre du poids, de vouloir faire attention à son alimentation, puis en fait d'avoir une bouffe le soir, ça remplit notre vie, ça nous donne de l'enthousiasme, c'est ce qui remplit en fait toute notre vie. Donc d'une certaine manière, de se dire que demain, imaginons, vous aviez plus tout ça, toute cette nourriture à penser à votre poids, à penser à pas manger, à manger, à l'enthousiasme que ça vous procure, enfin bref, tout ce que ça prend comme place dans votre vie, si vous aviez plus ça, ça laisserait un immense vide. Et si vous pensez pas à trouver quelque chose pour le remplacer, cet immense vide, c'est très compliqué en fait de laisser aller vos compulsions alimentaires, sachant qu'elles remplissent un tel vide dans votre vie, en fait elles prennent une telle place dans votre vie. En tant qu'humain, on a tous besoin d'avoir des projets, des buts, des choses à faire, d'avoir vraiment quelque chose qui fait en sorte qu'on se lève le matin. Et puis c'est vrai que si on n'a rien, si c'est vide, ça laisse un gros vide à l'intérieur de nous et ça nous laisse un gros mal-être. Ce qui fait qu'effectivement, pourquoi on laisserait aller nos compulsions alimentaires, il y a comme une angoisse de laisser un gros trou vide qui est rempli par rien d'autre. Donc en fait, vraiment, ce que je vous recommande, c'est de trouver, il me semble que je l'avais déjà partagé dans une autre vidéo, mais de trouver vraiment quelque chose qui vous passionne ou une nouvelle chose que vous aimeriez apprendre. Je sais pas, par exemple, jouer de la guitare, faire du dessin, je sais pas, n'importe quoi, mais autre chose que toujours la nourriture. Trouver de nouvelles choses, même si au départ, imaginons que c'est compliqué de laisser aller complètement la nourriture et de le remplacer par quelque chose, c'est difficile, on peut pas passer d'une chose à l'autre comme ça aussi facilement. Enfin, c'est possible, mais en soi, c'est pas le plus facile. Donc ce que je vous recommande, c'est vraiment de trouver quelque chose déjà qui vous intéresse et petit à petit de vous mettre dedans pour commencer déjà à mettre votre attention sur quelque chose d'autre que la nourriture. Ça va déjà beaucoup vous aider et pour faire la transition par la suite, ce sera beaucoup beaucoup plus facile. Et surtout que vous donnerez une information à votre inconscient comme quoi il n'y a pas de vide derrière, mais il y a bien quelque chose de nouveau qui est là, il y a quelque chose d'autre avec lequel vous pouvez remplir votre vie, avec lequel vous pouvez vous épanouir. En fait, ce que je vous recommande, en tout cas pour ma part, j'ai remarqué que la nourriture, c'était quelque chose vraiment, ça m'enthousiasme même énormément. C'est vraiment quelque chose, en fait, c'était assez bizarre comme schéma, c'est que j'étais hyper enthousiaste de me dire que j'allais pouvoir manger. Et puis c'est après avoir mangé où c'était la culpabilité, où j'allais pas recommencer, enfin bref, tout mon cirque schématique, il se faisait comme ça. D'abord j'étais super contente, ensuite je m'empiffrais et ensuite je me sentais super mal. J'imagine que c'est un peu pareil le schéma, je crois qu'il se ressemble beaucoup pour la plupart des gens. Donc en fait, ce que je vous recommande, c'est de trouver quelque chose qui vous enthousiasme tout autant, voire en tout cas assez, pour remplacer cet enthousiasme que la nourriture peut provoquer en fait. De savoir que le soir on a un resto, qu'après le travail on va pouvoir bouffer ci, ça ou ça. Tout cet enthousiasme que vous ressentiez en fait, d'essayer de trouver quelque chose d'autre dans votre vie qui peut vous faire ressentir ce même enthousiasme. Et petit à petit, de remplacer justement ce comportement alimentaire par quelque chose qui vous enthousiasme tout autant. Après sur un autre sujet peut-être un peu plus profond, peut-être plus délicat, j'ai remarqué, en fait, quand on est mal dans sa peau, on souffre de compulsions alimentaires, pour ma part en tout cas, je souffrais beaucoup du regard des autres sur moi, notamment les hommes, et c'est vrai que parfois, le corps, d'une certaine manière, en mettant de la graisse autour de nous, on se protège. Et puis,
Je vois, pour moi, c'était vraiment une souffrance. Par exemple, comme j'expliquais aux filles l'autre soir lors de la méditation, quand je passais sur un trottoir et qu'il y avait des fois des groupes d'ouvriers, d'hommes, de manière générale, j'étais super mal à l'aise de passer devant eux. C'était vraiment une horreur pour moi. Et puis, en fait, j'ai compris une chose, c'est qu'aussi, inconsciemment, notre corps, il nous protège comme ça. Ça veut dire que si on est trop attirante, bien dans notre corps, avec un joli corps mince qui attire le regard, si on s'habille de manière attirante, forcément, on va attirer les regards. Et parfois, notre inconscient, pour lui, c'est un danger. Par rapport peut-être à votre histoire, peut-être à des choses qui se sont passées dans votre vie, ou peut-être simplement un malaise dans votre corps. Parfois, quand on souffre de compulsion alimentaire, il y a vraiment cet idéal d'être tellement belle, tellement bien dans notre corps, d'avoir un joli corps, de s'habiller super bien, de s'apprêter super bien. Et au fond, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui finalement nous met un système d'alarme extrêmement puissant parce que c'est dangereux d'être attirante. Alors peut-être après à vous de voir aussi par rapport à votre expérience, moi je vous partage la mienne, hein, c'est pas la même chose pour tout le monde, mais c'est un facteur quand même que j'ai retrouvé assez régulièrement et qui se ressemble chez pas mal de gens, de femmes surtout. C'est vraiment ce regard des hommes et ce danger d'une certaine manière d'être trop attirante. Donc ça aussi, c'est quelque chose, votre inconscient a besoin d'être rassuré, de savoir qu'en fait c'est en étant belle, mince, attirante, vous n'allez pas être plus en danger qu'en étant comme vous êtes aujourd'hui. Ce que je peux vous conseiller aujourd'hui pour ça, pour essayer d'aller identifier si chez vous, effectivement, c'est quelque chose avec lequel vous vous sentez en danger, avec lequel votre inconscient vous met en alerte, en alarme, et duquel il essaye de se protéger. Je vous conseille vraiment d'aller observer ça chez vous, d'essayer d'apprendre en fait à vous connaître, à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre inconscient, pour pouvoir ensuite aller le rassurer. Dans une prochaine vidéo, je vous donnerai des exercices pour justement apprendre à vous rassurer, comment faire justement pour changer ces états d'être, ces malaises en fait qui font qu'ils nous maintiennent dans des choses qu'on ne veut plus, mais qu'inconsciemment, malheureusement, si on ne règle pas, c'est difficile d'en sortir. Parce que consciemment, il y a plein de choses qu'on aimerait, mais inconsciemment, il y a une raison à ces comportements. Et si on ne règle pas ou on ne change pas le programme de la raison pour laquelle on agit de cette manière-là, c'est compliqué de changer. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider, que vous pourrez peut-être vous identifier et y trouver des réponses. Je me réjouis de la suite, je suis en train de préparer plein de choses, je me réjouis vraiment de partager tout ça avec vous et j'espère vraiment de tout mon cœur pouvoir vous aider dans cette libération des compulsions alimentaires. Je sais que c'est difficile, mais vraiment croyez-y, on peut vraiment changer notre vie et se sentir beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux et être complètement libéré de tout ça. N'hésitez pas à partager mes vidéos, à commenter, abonnez-vous à ma chaîne, ça m'aide, ça m'encourage. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Belle journée, ciao ciao!